La lecture. Happy Halloween! Bon, alors pour Halloween, moi je vous conseille un bon bouquin de 800 pages, c'est un vrai pavé. On m'a dit que grâce à ça, je faisais comme si j'avais pas qu'un physique. Donc, grâce à ça, c'est un super bouquin, vraiment, lisez-le, parce que on n'a pas peur des 780 pages, 760, ça se lit bien, c'est bien écrit, on ne se perd pas dans l'énigme par rapport aux nombreux personnages, puisque chaque chapitre commence par le nom du personnage, ce qui fait qu'on sait direct qu'on est avec elle, dans sa psychologie, dans sa façon d'être, on sait où on est, ça j'ai adoré. C'est l'histoire d'un mec qui ne tue pas des femmes, mais qui les, en quelque sorte, lobotomise. Ça s'appelle cordotomie là-dedans. Donc, les bonnes femmes se retrouvent comme de la chair morte dans une espèce de coma. C'est très, très bizarre. Et on va à la recherche de ce monstre qui, on le découvre au fur et à mesure. Et moi, j'ai adoré, quoi. Mais j'avais vraiment envie de lui donner des coups de couteau. Donc, à lire, quand on le commence, on s'arrête plus. Neuf. Petit internaute, un bonbon ? Non, peut-être un livre alors, ou la mort.